Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Etienne. Je vais vous présenter dans ce numéro de Guitare Extrême quelques-uns de mes plans favoris. Donc il y aura un premier plan qui sera basé sur des double stops, donc du jeu en double note. Un deuxième qui sera basé sur le jeu en octave, qui va mélanger donc médiator et doigt, donc de l'hybrid picking. Un troisième plan, alors là c'est la fête, qui va mélanger sweeping, tapping et legato. Voilà, donc pour les plus avancés. Et on va reprendre tout ça dans un gros plan qui va mélanger ces trois techniques-là. Voilà. Bon cours. Alors, sur ce premier plan, ce qui va être très très important, c'est de bien mélanger le jeu au médiator et le jeu au doigt. Donc moi, ce que je fais, c'est que sur la première partie, par exemple, je tire avec le majeur et l'annulaire chacune des cordes jusqu'à la troisième note où là, j'attaque au médiator. Donc vous pouvez mélanger ces différentes techniques, c'est-à-dire tout jouer au médiator, tout jouer en hybrid picking, c'est-à-dire médiator et doigt. Vous pouvez même vous entraîner à jouer tout au doigt. Voilà. L'idée, c'est que toutes les notes soient claires et que vous ayez le même volume sur chacune des deux notes. Sur ce deuxième plan, donc basé sur du jeu en octave, ce qui va être très important, c'est d'essayer de jouer la première note au médiator et de glisser avec le doigt, voilà, un maximum, de manière à ce que chacune des notes soit bien détachée et qu'il y ait ce mélange de techniques, voilà, sur les deux. Essayez de commencer ça très lentement au début, accélérer au fur et à mesure, jouez-le pas branché également, de manière à voir si toutes les notes sont bien attaquées. Et voilà, éclatez-vous bien. Sur ce troisième plan, ce qui va être très très important, c'est la fluidité. L'idée donc, c'est de bien appuyer au niveau de la main droite, de faire attention à ce que chaque note soit bien détachée. Jusqu'au petit legato où là on tient très très fort à la main gauche et on appuie de toutes ses forces avec la main droite, en essayant de ne pas trop faire vibrer la note pour rester quand même juste. Et là, le sens des coups de médiator va être très très important pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Voilà, donc travaillez-le très très lentement, très délié, et pareil, essayez de le jouer pas branché de manière à ce que chaque note soit vraiment bien attaquée. Bon travail! Alors, concernant le dernier plan, là donc on va tout mélanger. Sur la première partie, donc double stop, essayez de mélanger jeu au doigt, jeu au médiator, avec une grosse attaque. Sur la deuxième partie, donc, qui elle est basée autour du sweeping, essayez pareil de détacher bien chacune des notes, de bien les attaquer, de manière à ce que chacune sorte bien dans le mix. Et on termine donc avec ce legato ascendant. Donc bien coup de médiator vers le haut et des pull-off sur chacune des cordes. Voilà. Bon travail et bon travail.
Voilà, j'espère que tout ça vous aura un petit peu aidé dans la manière d'aborder un petit peu différentes techniques et un peu la fusion des genres et des styles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. C'était Sylvestre Etienne pour Guitare Extrême.